Les fondements de la déontologie au milieu professionnel et son importance est le thème qui a sous-tendu cette conférence organisée à l'endroit des enseignantes de l'association Émergence Femmes Enseignantes du Congo. La présidente de la dite association donne le sens de cette conférence. Le constat est que la femme a tendance à négliger son travail à l'école. Nous voulons attirer son attention. C'est pourquoi on a tenu à faire cette activité sur la déontologie, qui est la science qui étudie les règles de l'administration du travail. Nos écoles sont gérées en majorité par les femmes. Et cette femme-là doit être consciente et doit être capable de gérer le système éducatif. Pour sa part, le conférencier a conscientisé les participants sur l'importance de leur métier et les a exhortés à pérenniser leur formation. La déontologie est relative au comportement des membres d'une profession. Elle va guider la conduite des membres d'une profession. C'est grâce à la déontologie qu'on va se conduire de telle ou telle manière. Parce que ce sont des règles qui seront établies. Geste salué par les participantes. Comme on dit que la répétition est la mère de science, la déontologie, nous avons appris dans les écoles de formation. Lorsqu'on parle de la déontologie, les règles qui régissent ce que nous devons faire. Et pour nous qui sommes formés, c'est seulement la répétition. Et pour ceux qui viennent, ils sont venus pour acquérir quelque chose. Créée en 2017, l'association Émergence Femmes Enseignantes du Congo est un groupe de réflexion des femmes enseignantes qui a pour devise « Travail, discipline, réussite ».